Après avoir renié trois dieux, vendu son âme aux mille diables, empoisonné cet ouïe vieux, alors qu'ils mangeaient à leur table. Mathieu trouva décidément qu'on avait pour lui la dent dure. En le traitant de garnement, tant il gardait une âme pure. Déjà, quand il était bébé, il faisait souffrir sa nourrice. Il têtait avec un dentier qu'il avait volé à l'hospice. La pauvre annule les tournées et Mathieu dit: c'est pas dommage. Je passe un contrat chez Gervais, je vais faire mon beurre dans les fromages. Plus tard, il sema la terreur dans son école maternelle. Les plus débiles, il faut qu'ils meurent pour que la race, elle reste belle. Il mélangea au BCG quand le docteur vint pour la piqûre. Un flacon qu'il avait trouvé marqué en gros danger cyanure. Il changea pour sa communion l'eau bénite par du vitriol. Si bien qu'après le coup de goupillon, ils avaient tous la petite vérole. Mais le plus marrant dans tout ça, c'était les hosties en éponge. Le bon Dieu vous reste sur l'estomac, tandis que l'eau du ciel vous ronge. Et puis pour un de ses professeurs, voulant mater la forte tête, il brancha un détonateur sur la chaîne des water-closettes. Puis il lui offrit des bonbons aux propriétés laxatives. Il mourut bas le pantalon sous la chasse d'eau explosive. Il était un peu bricoleur, il sciait presque à fond les béquilles. Pour se relever, c'est un labeur, quand par terre il y a trois sacs de billes. Il se montrait patient et doux, guidant les aveugles en confiance. Il retirait les plaques d'égout, s'en allait en disant « bonne chance ». Avoir renié trois dieux, vendu son âme aux mille diables, égorgé, noyé, mis le feu, Mathieu fut un jour irritable. On m'a traité de garnement, j'enverrai au monde comique. Comme cadeau de jour de l'an, une jolie bombe atomique.
comme cadeau de jour de l'an, une jolie bombe atomique. Une jolie bombe atomique, atomique, atocomique, atomique.